Ouais. Bon, Lima et 5 francs Moria, connu sous le nom de Lima Mbiaito, Lima Beno, amoureux de football, qui est pour rêve d'être entraîneur de football demain. Mais vraiment, après les 7 joueurs qu'on vient de récaler pour la CAN 2019 en Égypte, il y a lieu de critiquer. Quand on n'est pas sous la posture d'entraîneur, on est sous la posture de critique. Et les critiques doivent aller dans un bon sens. Vraiment, je suis vraiment désolé. Car je ne suis pas sûr que Clarence Seedorf a vraiment la main mise sur l'équipe nationale du Cameroun. Que les lobbies arrêtent de gérer notre équipe nationale. Que les sectes arrêtent de gérer notre équipe nationale. Que les particuliers arrêtent de gérer notre équipe nationale. Vraiment, c'est désinvoltant. Quand on prend une liste de 7 joueurs récalés, on retrouve un nom comme Jérôme Ongéné. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Je ne sais pas s'il est blessé, je ne suis même pas sûr. On prend un joueur comme Pogé, je tape. On le récale pour laisser les Jacques Zoua, pour laisser les Régis Steven Voué. Les Vincent Boakai qui sont blessés, on part où avec ça. Je suis sûr que les personnes qui sont là, quand on va récaler les 4 là, les mêmes joueurs vont rester, les faux joueurs. On va vous dire que peut-être ils ont remporté la CAN en 2000 avec les faux joueurs là, mais ce n'est pas ça. Le football change de jour en jour. Le football, c'est l'actualité. Clarence Seedorf, vraiment, si c'est vous, en tant que grand joueur et en tant qu'entraîneur aujourd'hui, qui avez eu à faire cela avec votre staff, c'est déplorable. Il faut revoir cette situation vraiment. C'est déplorable. Parce que nous, on veut de la méritocratie dans notre équipe. On sait que vous êtes un entraîneur, vous avez été un grand footballeur dans ce monde. Donc vous êtes capé dans le football. Mais ce que vous venez de faire, c'est une erreur. C'est vraiment une erreur, grand coach. C'est une erreur vraiment. Ongéné, qui est champion du monde U2 avec la France et qui a accepté de venir jouer pour le Cameroun, on lui fait une chose pareille. Il va très mal se sentir. Si ses mains sont blessées, c'est bon.